Yo players, c'est Scratty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lost Ark et aujourd'hui vidéo clicking. On va cliquer, on va essayer d'upgrade son stuff. On va voir jusqu'où j'arrive à aller. Mais avant de commencer, une petite compote de fraises et pommes. Je vais me la manger avant de commencer. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, dans cette vidéo, il va y avoir un tout petit peu de sel. Donc je vais équilibrer avec un petit peu de sucre et je vais me donner un petit peu de douceur avant ce que je vais insulter des mères à mon avis. Donc je préfère prévenir d'avance. Donc je me tape ma petite compote de pommes et de fraises et j'arrive tout de suite. Allez, c'est pas le tout, mais il faut qu'on clique quand même. Moi, ça fait une semaine que j'ai pas upgrade mon stuff sur mon paladin. Il y a l'artilleur qui lui a donné un petit coup de main en termes de pierres. Donc, il y a ce que vous voyez là. 3600 pierres de destruction pour l'arme. Nous avons 7200, 8200 environ, hein. Pierres de gardien pour les armures. Nous avons... Allez, on va arrondir à 300 pierres de bon. J'ai des pierres d'Oréa. J'en ai crafté encore tout à l'heure. J'ai tout ça là. On va s'en servir surtout sur l'arme. Parce que l'arme, c'est ce qui coûte un le plus cher, c'est-à-dire ça, et ce qui on veut qu'il rate le moins. On va commencer par une première vague de cliquage, et ensuite j'ai des choses à aller chercher, c'est-à-dire que je ferai ça hors la vidéo. Donc il y aurait un petit cut, je pense, parce qu'en fait j'ai ça à utiliser, les 5 potions d'élixir d'Aura d'Echo pour aller farmer les donjons du chaos. Pourquoi j'attends? Pourquoi je ne les ai pas utilisés avant? Pour simple et bonne raison, c'est qu'en fait je suis 1350, bien entendu. Objectif 1370. Et en fait, à 1355, il y a un nouveau stade de Donjon du Chaos. Voilà. Donc en fait, le but, c'est que j'augmente 1355, voire plus. Peut rêver, mais bon, voilà. Et derrière, que j'aille farmer les Donjons du Chaos avec ça pour avoir un petit peu plus de compos et qu'on reprendra après. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Je préfère prévenir d'avance, potentiellement, parce que je sais d'avance pas comment ça va se passer. Il risque d'y avoir des insultes. Pour que vous soyez pas choqués. Et pas besoin de saler vos plats. Parce que, ouais, il va y avoir du sel, je pense. Allez, on est parti. Donc voilà, on se retrouve donc dans le tableau d'amélioration des équipements. J'avais déjà préchargé apparemment l'arme et les jambes. J'ai pas fait de feint normalement sur eux. Alors, pas que je sache, aussi peut-être. Bref, on va voir. Je propose qu'on commence sur l'arme parce que ça va être le plus critique. J'ai 4 niveaux à passer. 4 niveaux. Là, ce qui m'inquiète le plus, ça va être les pierres de bon quand même. Je me rends compte que j'ai peut-être pas assez, mais bon, j'ai farmé ce que j'ai pu. En gold, ça va coûter cher, mais je suis bon. Et en shilling, j'étais à 600 000 hier. C'était un petit peu léger. Je suis allé farmer tout ça, tout ça. Je suis remonté à 1 300 000, on arrondit. Ça devrait le faire aussi. En fragment d'honneur, donc fragment d'harmonie, d'honneur, tout ça, ça devrait aller. Donc alors, pour l'arme, je suis à 21%. D'accord? Donc j'ai déjà dû avoir un fail là-dedans. Alors l'arme, j'ai 4 niveaux à passer, mais clairement, hop, je vais tout mettre à fond. Je vais tout prendre. J'ai un petit peu de stock. L'arme, c'est vraiment ce que je dois monter, ce que je dois réussir à monter au maximum. Et ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, petit truc. C'est grâce solaire, bénédiction solaire, protection solaire. Quand vous faites un level up d'équipement, elles perdent en pourcentage. Voilà, donc elles donnent moins, elles vont donner moins de 14 à 15 que de 11 à 12, par exemple. Donc on est parti. Ah, ça commence, hein, ça commence. On m'avait prévenu de toute façon. Donc là, j'ai pris un petit peu de pourcentage. Hein, voilà. Puis on monte à 37,5%. Ça passe. Niveau 12 déjà. Niveau 12. Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, le niveau 13. On retombe à 15%. D'accord? 15%, zéro partout. Donc, je rappelle l'énergie d'artisan. Donc affiche l'énergie d'artisan actuelle et le bonus d'énergie d'artisan par échec d'affinage. Chaque fois qu'une de vos tentatives d'affinage échoue, vous gagnez de l'énergie d'artisan en fonction de votre taux de réussite. Lorsqu'elle atteint la limite maximum, votre prochaine tentative d'affinage réussit automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça atteint 100%. Donc à chaque échec, ça augmente de pourcentage. Quand ça atteint 100%, le prochain
Ça passe automatiquement. Bon, là, pareil. Hein. Là, on va. Ces pierres, je vais les vider sur l'arme. Là, 30%, si ça pouvait passer, ça serait nickel. Bien sûr, non. Hein, bah oui, hein, c'est trop demandé. On continue. Allez. Le 13. Le 13. Voilà, niveau 13. Bon. Pour l'instant, je vais noter. Faut que je note. Faut que je note. Je vais noter. Je vais me prendre une petite, un petit post-it. Histoire que je tienne les comptes, en fait. Donc là, je suis à 2-2 de chaque côté. Donc 2 fails et 2 wins. Enfin, 2 clics passés. On continue l'arme. On continue l'arme. Les pierres de bombe. Putain, les pierres de bombe. Ah bah ça, j'en ai déjà plus. Et ça, d'accord, je monte à 25%. Ah, si je pouvais passer là tout de suite, ça serait nickel. Allez, le 14. Bon, un clic sur deux pour l'instant. Un clic sur deux. On est à 3-3. Ça va. Ça va. Je peux pas trop me plaindre. Vous voyez? Regardez. Là, je suis à 10%. J'en mets 11. Je gagne. Je monte à 11,54. Et là, j'ai plus rien. Donc là, allez, le 15. Le 15. Le 15. Le 15. Pas le 15. Bah là, il n'y a plus rien. Donc du coup, 11%. Allez, le 15. Le 15. Le 15. Le 15. Pas le 15. Donc là, on a deux fails de plus. Déjà, on est plus... On est plus bon là. Là, on est plus bon là. Allez, le 15. Oh, mais pierre de bon, quoi. Quoi? Attends, attends, attends. Attends, attends. Allez, à dernier clic! Dernier clic. Je suis à 13% et je suis à 16% d'énergie d'artisan. Allez, le 15. Donne-moi le 15. Donne-moi le 15. Bon, déjà, l'arme, c'est pas fait. J'ai pris 3 niveaux, mais c'est pas fait. Allez, on enchaîne maintenant avec le stuff. Ça... En fait, moi, avant que je fasse cette vidéo, je me suis dit, je vais me faire insulter. Moi, si ça passe beaucoup, là, ça va. Je vais pas me faire insulter là. Là, ça va. J'en connais même certains qui vont se foutre de ma gueule. C'est juste du 12 là. Merci. Donc là, on est à 9 fails pour 4 wins. Ça pique là. Pourquoi je monte lui? Bon, de toute façon, tu me diras que ce soit lui ou un autre, c'est pareil. Mais non, faut faire, vaut mieux faire item par item. Là, j'ai plus de chance que l'autre, du coup. Donc, allez, le 12. Alors, en first, là, le 12. Voilà, le 12. Voilà, le 12. Allez. Allez. Le 12, encore en first. Voilà, le 12. Le casque. Tu me donnes le 12 aussi? On est à quoi? Allez, tu me donnes le 12? Donne-moi le 12. Donne-moi le 12. Nique ta maman. Là, on est à 11-6. 11-6. 11, pas bon, bien sûr. Hein, bien sûr. Allez, le 12. Le 12. 12. Enfin, il m'a donné le 12. 12 fail. Putain. Allez, le 12. Allez, le 12. Voilà, le 12. Bon, il y aura un peu plus de mal. Tiens, on va faire celui-là, il est déjà prêt. Bon, on attaque le 13. On est arrivé e-level combien là? On a mis tout 12, je crois. On a tout mis 12 et l'arme 14. On est e-level 1356. Donc on a pris 6 points et quelques. On pourra déjà aller faire les autres donjons du chaos après. Donc tant mieux. Allez, on attaque ça. Allez, le 13. Allez, le 13. On est à 15 fails. Hein. 15 fails, 7 clics qui sont passés. Putain, mes pierres d'Oréa, je pensais que j'en aurais assez. On ira en refaire. Hein.
Il y aura des cuts dans la vidéo. Putain. Merci. Donc le 13. Et celle-là. Allez, le 13. Allez, le 13. De toute façon, les pierres de bon vont manquer aussi, apparemment. En fait, quand tu fails, en fait, quand tu fails, tu vois tes ressources partir comme c'est pas permis. Là, je vois les pierres de bon qui partent, qui partent, qui partent. Merci. Là, j'en suis à 10, 15, 18 fails pour 9 wins. Donc là, on est à un ratio de 50%, mais inversé. C'est-à-dire 50% de... ouais, enfin non, même pas 50%. Si, on a... Si, ouais, non, non, je dis des conneries. J'essaie de me rassurer, là, mais je dis des conneries. Allez, le first try. Donne-moi le 13, en first try, là. Donne-moi le 13, là. Culé de tes morts, quoi. Allez, 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 que ça passe, là. Putain, j'ai un argot, ça allait faire, moi. Merci. Il me reste quoi? D'accord. Allez, 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 allez. C'est même pas mes golds en plus, moi, qui m'inquiète, là, c'est mes shillings. Oh! Ah ouais. Ah ouais, les shillings. Ouh! En fait, tout a pris un coup. Là, j'ai mon compte, il a pris une claque là. Oh, putain, fille. Pute de quoi? Ah, t'as de la chance que ma femme dort. Hein. Je peux pas gueuler. Allez, passe, bordel! Oh, mes shillings, quoi. Je pensais être à peu près à l'abri. Non, le jeu, il te chie à la gueule. Allez, le first try là. First try, allez! Merci! Un petit first try quand même, ça fait du bien. Bon, on est rendu où? Il nous reste un clic. Il nous reste un clic et il y aura un cut. Je vais aller farmer les donjons du chaos. Allez, le clic, le 14. Tu me donnes le 14, je fais combien? 15%. Tu me donnes le... Allez, tu me donnes le 15, le 14. Tu me donnes le 14. Il me donne pas le 14. Bon. On va aller farmer tout ça, on est rendu à 1360. 1360, on a pris 10 points déjà. C'est déjà ça, j'en suis à 10, 20, 24 échecs pour 12 clics réussis. Ça fait mal au fion, ça fait mal au fion, donc petit cut, le farming, et on y retourne comme c'était prévu. A tout de suite. Et voilà, farming terminé. Alors, on se rend compte de plusieurs choses déjà. Et c'est en faisant cette vidéo que je m'en rends compte quand même. La première, c'est que quand on dit que c'est long à monter son stuff, c'est long à monter son stuff. Pourquoi? J'ai farmé 5 donjons du chaos grâce aux potions que j'ai eues en bonus de connexion. Avec 5 donjons du chaos, je peux même pas faire un clic sur mon arme. Alors certes, j'ai farmé avec un seul personnage là. Mais 5 donjons du chaos, allez, t'en retires 1, 4, ça fait 2 persos T3. Les deux qui farment deux fois chacun. Et au pire, la cinquième fois, c'est ton autre perso T3. Voilà. Donc, avec limite 3 persos T3, je peux même pas faire un clic avec 5-6 donjons du chaos par jour. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Ensuite, en pierre de bon, j'en ai pas eu tant que ça. Je suis remonté à 47. Ça, je suis allé les farmer, j'ai utilisé quelques cristaux bleus, en tout 6, histoire que les constructions se terminent et que j'en ai sous la main. À côté de ça, les shillings, bah, j'ai repris quoi? 100 000 à peu près? Grand max, j'ai pas regardé à combien j'étais à la fin de la première phase de clic. C'est pareil, on gagne pas grand-chose. Et donc on se rend compte aussi d'une chose, c'est que beaucoup de personnes qui se disent free to play, moi je dis... Il y en a certains, ils ont utilisé leur CB. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Attention, chacun fait ce qu'il veut de son pognon. Sauf que il y a pas mal de personnes qui pensent comme moi, c'est-à-dire que ce qui serait bien, c'est que les gens qui utilisent leur CB arrêtent de nous sortir comme excuse joue à ton jeu ou genre de conneries.
Voilà. Non, parce que quand tu vois les prix, quand tu vois comment ça monte, pas ton stuff, quand tu vois ce qu'il faut pour cliquer, et qu'il y en ait qui te sortent, ouais, mon perso, il est level 1400, j'ai 4 persos T3, je suis free to play. Ouais. D'accord. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va pas pouvoir refaire beaucoup de clics. Clairement, autant être franc, là, on va s'arrêter. Ça, à mon avis, c'est les pierres de bon qui vont être dérangeants. Donc, on va voir. Allez, c'est parti. On en était à 24 fails pour 12 passés. 25 fails, pardon. On continue, du coup, bah, de toute façon les ressources sont là pour ça. Hein. Voilà. Une pièce en 14. Une pièce en 14. On va pas tenter le 15. On va pas tenter le 15. Oh si, on tente une fois en 15. Une fois en 15. Putain, les chiens, comment ça part vite, quoi. On tente une fois en 15. Allez, 10%. Passe. Je termine la vidéo avec une pièce en 15. S'il te plaît. Ah, il y a eu le petit espoir. Putain. 8, ça veut dire que je tomberai à 15. Hein, c'est le même pierre de bon, en fait. Là, pour passer 14, 14 à 15, c'est les mêmes pierres de bon. C'est juste un petit peu de shilling différent. Même les ressources, ça bouge pas. Il y a juste les shillings qui changent. D'accord, bah... Continuer. Bon, et le taux de drop aussi. Oui, le taux de drop, parce que là, c'est limite du gacha. Hein. Allez. 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 Allez, au moins une pièce à 15. Au moins une pièce à 15. Il me reste un clic. Il me reste un clic. Littéralement, il me reste un clic parce que bah, 8 pierres de bon. Il me reste 15. Allez. C'est maintenant. C'est maintenant. Pour finir la vidéo, c'est maintenant. On termine en 20, 25, 28 fails pour 13 clics passés. Mon e-level 1361,66. Je pense même pas pouvoir acheter une pierre de bon avec ça. Attends, j'ai 188. Attends. Ouais, j'ai formé un ou deux donjons du chaos en plus la semaine dernière. Au début de semaine. Est-ce que je peux avoir une pierre de bon avec ça? Est-ce que je peux avoir une pierre de bon avec ça? Je peux en avoir une. Tiens, et pour vous dire, certains qui disent farmer les donjons du chaos, regardez, une pierre de bon. Là, il m'en faut 8 pour faire un clic. D'accord? Une pierre de bon, ça coûte 100. Donc 100 de cette truc, de cette monnaie. Cette monnaie que tu farmes en donjon du chaos. J'en achète une. C'est passé à 130. Voilà, pour vous dire. Bon. Le clic du désespoir, il est là. Le clic du désespoir, il est là. Allez, le clic du désespoir. Après m'avoir pris environ 800 000 shillings, si ce n'est plus, de m'avoir pris facile, oh, un bon 2000 gold, à peu près, hein, et de m'avoir vidé toutes mes compos d'une semaine de farming. Allez. Un item 15. Un item 15, 13% de chance. C'est quoi 13% de chance dans une vie? J'ai joué à des gachas où le taux de drop d'un perso qui venait de sortir était de 2-3%. Je l'ai eu first try. Le 13%, tu peux me le donner. Allez. Allez. Allez, le niveau 15. Mais nique ta mère, putain de merde! Il me fait le petit trait quand même. 29 fails. 29 fails pour 13 clics passés. 29 fails pour 13 clics passés. Et là, bah là, je suis à poil. Hein. Là, je suis littéralement à poil. Voilà. Et ça, c'est pour transfert de niveau de compétence. Donc là, je n'ai strictement plus rien. Il me reste des pierres bleues, des pierres de gardien, mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème non plus, hein, les fragments d'harmonie. Mais c'est les pierres de bon. C'est les pierres de bon, déjà, qu'il me faut.
Les pierres de destruction, bah voilà. Et voilà. Et les shinings. Les shinings qui ont pris un coup dans la gueule aussi après une bonne soirée de farm. Bon. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Je peux pas. Hop. Hop. Je peux pas me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre. Pourquoi? Bah parce que comme je viens de le dire, ça fait partie du jeu. Les personnes qui se plaignent que c'est dur, tout ça, c'est pas que c'est dur, c'est que c'est long. Tout simplement. C'est long, c'est frustrant. Et là, clairement, autant être franc, on rentre dans un aspect. Pas gacha, parce que là c'est pas tu invoques ou genre de conneries, mais on a des taux de probabilité. Donc c'est comme dans un gacha. Voilà. Entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Là encore une fois, tu n'invoques pas une arme 15 ou une arme 14. Non, là c'est pour améliorer son stuff. Dites-vous, y a des jeux où quand tu rates, tu casses l'item. Et dans ces jeux, faut monter plus 20. Tu te rends compte ou quoi? Donc là, l'item n'est pas cassé. J'ai pris environ 11 points de D-level. Jeudi, c'est-à-dire au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes mercredi matin, jeudi matin, il y a la maintenance. Ils ont annoncé la nouvelle saison, ils ont fait un article, la nouvelle saison, la saison PVP, ils ont fait un article avec les rangs bronze, argent, tout ça. Ils ont fait les petits points. J'ai pas fait de vidéo dessus, parce que déjà, il y avait celle-là à faire, et ensuite, c'est un petit article voilà, qui résume la nouvelle saison du PVP. Donc il y a le PVP qui arrive avec la boutique PVP, il y a la boutique d'Event qui apparemment, donc la boutique d'Event Grand Prix qui va augmenter, il y a le nouvel Event Raid de Gardien qui doit sortir, il y a leur Happy Hour, je sais pas quoi là, qui doit sortir également. Bref, il y a pas mal de trucs qui arrivent jeudi. On va pouvoir potentiellement encore faire pas mal de cliquages. Tu rajoutes à ça les quêtes journal, les quêtes hebdo qui reviennent, etc. etc. Donc... Je sais que je serai 1370, je suis un petit peu blasé, j'aurais bien voulu terminer avec une pièce 15. Au moins une pièce 15 ça aurait été kiffant. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. 11 points d'e-level, c'est pas déconnant non plus. Allez, je vous fais des bisous, j'attends vos retours dans les commentaires et surtout, est-ce que vous avez réussi à cliquer vous de votre côté? Je vous fais des bisous, éclatez-vous bien, bon jeu et surtout, bon farm, parce que comme vous le voyez, on en a besoin. Et je vous dis à ce soir pour le live vers 21h, 21h30. Ciao ciao tout le monde.